Hello les plots, c'est Mr. Fire Knight. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo concernant enfin le maillot de la team Fury, donc de ma team. Donc, le maillot que j'ai moi-même créé, tout simplement, que j'ai moi-même custom sur, enfin, grâce tout simplement au site Ohio. Donc, Ohio, c'est une entreprise allemande, donc tout simplement basée en Europe. Et du coup, ils font des maillots pour des grandes teams aussi, pour donc des équipes françaises et américaines. Ils ont énormément de clients dans le monde, c'est un truc de malade. Enfin bref, je vais pas trop vous raconter l'histoire de l'entreprise. Vous allez sur Ohio, vous allez sur Google et vous trouverez tout. Alors, oh là là. Oh là là. Alors attendez, déjà on a un petit message. Ouais bon, il y a mon adresse, on va éviter de la mettre. Bon, c'est quoi? C'est juste un bon. C'est quoi? Voilà. Donc maillot d'e-sport F3. Voilà, tout simplement. Bon, attendez, il y a un autre truc. Bon, enfin bref. Voilà, enfin le maillot, les gars. Donc, c'est maillot e-sport F3 basique. Donc, F3 basique, c'est quoi? C'est tout simplement le modèle du maillot. Et puis, voilà, on va l'ouvrir. Donc, coupe régulière fit, manche courte, col en V. Voilà, j'ai aimé, moi, le col en V. Donc, on va tout simplement l'ouvrir. Et puis, on va voir comment c'est. Hein. C'est parti. Ça reste, hein, c'est ça. Voici le maillot, tout simplement Team Fury. Donc la taille c'est L. Alors quand j'ai commandé, ils m'ont tout simplement prévenu par email que les tailles sont toujours au-dessus. C'est fait exprès. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pris L, que j'ai pas pris XL parce que XL, ça c'est ma taille de base. Alors heureusement que je l'ai pas pris. Donc déjà c'est L, c'est pas mal. C'est grand. Et puis donc ça c'est voilà, ça c'est le logo. Donc c'est vraiment imprimé hein, dedans. Ça veut dire que voilà, vous pouvez passer la machine, enfin, ça risque rien, quoi. Donc, Mr. Fire Knight, voilà, mon pseudo avec le drapeau français. Eh oui, joueur français, tu connais. Brr. Ça, c'est le logo de la team. Je vais vous montrer maintenant derrière. Voilà, donc le derrière, tout simplement, du maillot. Fury, en grand, avec aussi le dragon en blanc. C'est rigolo parce que si je vous dis comment j'ai fait cette couleur blanc, vous allez être mort de rire. Je l'ai fait sur un site internet, c'est iPixie. C'est juste un site amateur pour les débutants pour modifier les couleurs. Voilà. Du coup, ensuite, j'ai remis la qualité du logo transparente et en haute qualité, quoi. Et puis, du coup, ça a marché. Voilà, le maillot. Bon, maintenant, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une petite image vraiment cartonnée qu'ils ont fait avec carrément le maillot dessus que j'ai créé. Ah, ça c'est stylé ça. Bon, allez, on va l'essayer, c'est parti. Alors, attendez, ça c'est quoi? C'est écrit quoi dessus? Au fond, il y a un tutoriel et tout. Design, pas là là, tutoriel comment mettre. Ah, ouais. Bon, vas-y, on va l'essayer. Bon, ben voilà. Comme vous voyez, j'ai le maillot sur moi. Bon, finalement, vu que ben, voilà, moi je suis un petit peu costaud, hein, un petit peu gros, finalement, ben, ça me va bien. Voilà, donc c'est du L. Voilà, du L. Je vous montre l'arrière. Voilà. L'étiquette. Ouais, il y a l'étiquette, je l'ai pas enlevée. Ça fait un nouveau style. Voilà, on est là. Avec l'étiquette et tout, brr, on est là. Enfin bref, merci. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, le maillot. Alors, ne me dites pas où est-ce qu'on peut l'acheter, parce que pour l'instant, personne ne peut l'acheter. Je vous donnerai d'autres informations s'il y a des gens qui souhaiteraient l'acheter, etc. Ce maillot. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Il faudra juste un petit peu patienter. Voilà. Merci infiniment et puis on se retrouve tous les jours à 18h pour des lives Fortnite partie personnalisée. Allez!